tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et c'est une vidéo si vous n'avez pas d'idée de 24 décembre, je peux vous donner des petits conseils du repas ou des choses du tout. Donc c'est parti pour la vidéo. Donc je disais que si vous n'avez pas des petites idées du 24 décembre et tout, et eh ben j'ai une petite idée, même le 25, même le 31, mais ça on verra un peu plus tard. On parle déjà du 24 et tout. Donc même on peut parler tout en même temps, comme ça au moins c'est réglé, c'est fait. Donc c'est parti. Donc si vous n'avez pas des idées du 24 décembre, 25 décembre ou le 31 décembre, j'ai des idées. Donc pour première chose en fait, pour en entrée en fait, vous pouvez pour commencer l'entrée, vous pouvez manger une, pour commencer vous pouvez manger une soupe, une petite soupe de légumes, une petite soupe de châtaigne. Donc ça fait vraiment pas Noël, mais bon, pour commencer et tout, ou un petit une petite salade composée, ou une petite salade aux tomates, ou une petite salade de riz et tout. La salade aux tomates et la salade de riz et la salade de pâtes, on dit tout le temps, hein, mais c'est pour l'été. Mais en fait, pas du tout, c'est pas pour l'été, c'est pour surtout pour toutes les saisons en fait. Il n'y a pas que l'été, c'est pour toutes les saisons. Oui, pour l'entrée, vous pouvez faire ça. Soit une petite soupe de légumes ou une petite soupe de châtaigne. L'entrée, soit une salade de riz, soit une salade de tomates, soit une salade de pâtes, ou une salade composée, ou alors une petite toast au saumon comme l'apéro avec du beurre et du saumon. Bon. Voilà tout. Après, si vous avez un peu des idées aussi pour l'entrée et tout, bon, vous avez votre idée à vous et tout. S'il y en a qui veulent, qui n'ont pas d'idée, vous pouvez faire ça, enfin, faites comme vous voulez, vous pouvez faire ça et tout pour l'entrée et tout. Enfin, nous, je sais pas comment, je crois qu'on va manger ça de tomates, ou ça de gris, enfin, un truc comme ça et tout. Mais si vous, vous avez déjà vos idées, ou vous avez déjà des idées ou choses et tout, vous pouvez en faire, vous pouvez en fait. Mais si vous n'avez pas d'idée, bah, faites une salade de tomates, ou une salade de riz, ou une salade composée, ou une petite soupe de légumes, ou une petite soupe de châtaigne. C'est, voilà. Un truc et des petites idées, si vous pouvez être, si vous pouvez vous aider sur ça, vous pouvez tout, pour l'entrée et tout. Après, pour le dessert, pour le plat chaud, vous pouvez... en fait, il n'y a pas de... En fait, vous pouvez faire tout, en fait. Pour le plat chaud, vous pouvez faire une raclette. Mais si vous faites une raclette, vous ne prenez pas de dessert. vous ne prenez pas de dessert. Ça, c'est le dessert. Vous pouvez prendre après, quand vous dansez, quand vous jouez, quand vous faites des jeunes dance, quand vous faites la Wii. Là, vous pouvez prendre un dessert. Mais quand vous faites une raclette, prenez pas une entrée, on parle juste une salade, une petite salade avec la raclette, c'est bon et tout. Donc vous pouvez faire une petite raclette, une fondue, une bœuf bourguignon, vous pouvez faire un peu couscous. Après, si vous pouvez faire de la dinde si vous voulez, vous pouvez aussi faire un peu plus de saumon. Du poisson, après vous pouvez faire un couscous, enfin, il y en a qui font des couscous, après vous pouvez faire une des gratins de patates, un gratin de finnois, un gratin de pâtes, après il y avait plein, il y en a même qui font
un barbecue le 24 ou le 25 ou le 31. Donc là, je parle le 24, 25 et le 31. Nous, il y a une année, il y a 2 années, on a mangé barbecue. Il y en a aussi, on avait mangé paella aussi. Vous pouvez faire une paella. Après, vous pouvez faire une pizza. Une pizza, allez, une petite pizza pour là. C'est pas lourd, vous prenez 2 parts de pizza. Après, hop, vous pouvez, hop là, c'est parti. Donc voilà des petites idées si ça vous console. Des idées pour Noël, ou pour le 24, ou pour le 25, même le 31. Après, le dessert, on va parler un petit peu le dessert. Le dessert, vous savez que le 24, le 25 ou le 31, c'est une bûche de glace, un truc comme ça, c'est bon et tout. Mais il n'y a pas que des bûches. Vous pouvez aussi faire du gâteau, gâteau yaourt, gâteau au chocolat, gâteau. Il y a des gâteaux en noix. Mais bon. Après, si vous voulez manger des gâteaux noirs, vous pouvez. Après, il y a des. Bon, il y a des bûches, il y a des gâteaux yaourt, gâteaux au chocolat, gâteaux noix si vous aimez, si vous l'avez déjà fait, vous pouvez le refaire. Après, vous pouvez surtout. Alors, une tarte aux pommes, une tarte aux papins, tatin, une tarte aux martis, une tarte aux. Vous pouvez tout. Mais le plus, quand vous avez bien mangé, que vous avez plus bien mangé, très bien et tout, vous pouvez faire une salade de fruits. Donc une salade de fruits, c'est tous les fruits, pommes, bananes, enfin tous les fruits en fait. Si vous voulez manger une salade de fruits après la digestion et tout, vous pouvez manger une salade de fruits. Donc si vous avez mangé le plat chaud, vous pouvez s'amuser, vous pouvez faire un jeu dance, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire la Wii, vous pouvez faire la Nintendo, vous pouvez chanter, vous pouvez mettre la musique avant que le Père Noël aille. Et après, pour le dessert, vous pouvez faire une salade de fruits avant et tout. Une salade de fruits, un gâteau yaourt, gâteau au chocolat, une salade de fruits, gâteau noix, un truc comme ça, même une bûche et tout et tout. Mais la bûche, c'est mieux qu'on fasse, c'est mieux que la bûche normalement. Il faut manger à minuit avec choupo-mie, champagne et tout à partir de minuit. Ça s'appelle bien. Mais bon, il y en a qui peuvent manger tout de suite, hein, tout comme ça et tout. Donc voilà les petites idées. Alors si vous n'avez pas les petites idées, bah, la vidéo est pour ça. La vidéo est pour vraiment ça et tout. Si vous avez déjà des idées, vous pouvez. Hein, c'est pas voilà, mais si vous n'avez pas d'idée pour le repas, pour l'entrée, pour le plat chaud, pour le dessert et tout, c'est tout dans cette vidéo. Vous connaissez la recette à mon avis. Puis voilà, donc voilà, il faut tellement on parle du 24, 25 et 31, même une galette pour le premier parce que moi janvier c'est la galette. Donc voilà, on parle du 24, 25 et le premier, le 31 décembre et tout. Donc cette vidéo est pour la faire, enfin vous pouvez aussi la regarder, vous pouvez la regarder et tout, mais si vous n'avez pas d'idées, bah, la vidéo est pour vous aider justement et tout. Donc nous sommes le 2 décembre et puis là tout de suite après cette vidéo là, il y aura le calendrier numéro 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner et mettre des pouces bleus. Merci pour les 200 83 abonnés, ça fait vraiment 84, ça fait vraiment plaisir et tout. J'oublie pas le dégustation d'action, je vais pas vous oublier, vous inquiétez pas et tout. Et je vous dis à très bientôt pour une vidéo. On se retrouve demain pour l'autre calendrier de l'Avent. Et puis je vous dis à très bientôt. Et là, tout de suite, là, il y a le calendrier de l'Avent numéro 2. Donc, à très bientôt. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Et à très bientôt pour une autre vidéo. Et à nouveau des dégustations. Et demain pour le troisième calendrier. Et bon week-end. Et bon dimanche. Et à très bientôt. Et coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo calendrier de l'Avent numéro 2. Donc vous savez que j'ai deux calendriers de l'Avent. Donc le chocolat. Et puis le thé.
Donc vous savez que c'est un peu le chocolat Milka et le thé. Donc c'est parti avec la vidéo. Donc on va commencer par le chocolat. Nous sommes le 2. Ouais. Alors, le numéro 2, donc on va l'ouvrir ensemble. Alors, à l'intérieur, nous avons la petite maison dans la prairie avec la neige. Puis nous avons une moto. Nous avons du chocolat au lait. Il est super bon. Donc, la petite maison à piquer. Et on va faire une dégustation aussi de thé la prochaine fois. Mais là, on va ouvrir la petite boîte de thé. Alors voici le thé numéro 2. Donc je vais l'ouvrir la prochaine fois. Elles sont super bonnes. Donc je vais faire une petite dégustation la prochaine fois. J'avais promis de faire une vidéo, mais ça sera une petite cet après-midi, je vais faire en même temps avec le sapin. Donc voilà le thé numéro 2. On se retrouve tout à l'heure pour faire le sapin. Et puis passer des bonnes journées. On se retrouve demain pour un autre calendrier. Il neige en plus. Super, le 2 décembre. Il neige, on se dit trop content. Donc voilà. Merci de regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et puis avec cette vidéo-là, on aura d'abord le sapin et après cette vidéo-là. Donc voilà. À très bientôt et on se retrouve demain pour le calendrier suivant. N'hésitez pas à vous abonner, mettez plus de 2. Et puis à très bientôt. Et puis bon week-end et à demain pour notre calendrier suivant. Oh, the weather outside.